Oui, allez jusqu'à vous voulez. J'espère. Ok, ouais, ça va dépendre de la situation des personnages juste ouais. Qu'ils sont. Je pense que au début du match, je pourrais vous dire qui est qui, justement, au moins ça. Mais normalement, Steven joue Sheik, puis Emily, je crois que ça Fox. Varie, mais Fox. Ouais, normalement c'est All the way Fox. Ah, ok. Là, t'as raison, il regarde pas beaucoup les pourcents pendant la stock. Je regarde jamais à part en dehors. Oh, un gentleman chic. À part de ah ouais. Qui laisse Kaioken devenir chic. J'y ai laissé aussi quand j'ai fait mon setup. Moi, j'ai pas laissé. Première stock, là, il a vite appris que j'ai pas laissé. J'ai mis de la pression pour qu'il reste en Zelda le plus longtemps possible. Ouch. Ouais, j'avais vu ça. Il a eu le temps de se transformer en chic, mais après ça, ton finish ramassait un follow-up de death. Premier stock. Oh, deux stocks rapides, un après l'autre. Oh non, finalement, j'ai réussi à se rendre. Mais c'est quand même dangereux. J'aime pas tant son recovery. On dirait que tu sais automatiquement où c'est qu'elle se trouve, soit sur le bord du ledge ou bien on stage, mais vraiment proche. De façon à ce que tu peux punish, surtout de la manière que tu le faisais avec ton heal, c'était vraiment bug. Tu parles de quoi, le mistake? Non, que. Tu décides de grab le ledge, le Sheik essaie de... Oui, c'est le moyen d'edge guard Sheik. C'est... Si je peux donner un conseil quand tu joues contre des Sheik, tu grab le ledge. C'est ce que tu dois faire contre Sheik. Et puis, elle revient en stage. Elle a pas le choix de revenir sur le stage. Puis... Tu peux punir après ça avec un get up ou quelque chose. Puis, get up knee, c'est bien spacé. C'est... Get up, reverse knee. T'as manqué un janky combo de la part d'Emily. Dash attack. Il y avait Sheik qui faisait juste revoler dans les airs un petit peu par petit peu. En revirer de bord dans chaque tac. C'était vraiment curieux de voir qui va gagner ça. Ouais, moi aussi. Je sais pas, même si c'est Emily, on sent beaucoup de plaisir. Même si c'est pas le jeu principal. J'espère qu'elle a du fun. J'espère que tout le monde. C'est vrai? On va réussir à la convertir. Elle va switcher, mais allez, je le sais. Faudrait que j'essaye un peu ton Captain Falcon. Ben, tu t'en sors très bien, je trouve. Ouais, c'est vraiment. Moi non plus, pis. Imagine, tu gagnes avec ça. Imagine, tu gagnes sans ça. Imagine si t'es avec. Ouais, exact. Sito, tu joues encore Ganon? Yes. Comment ça? Parce que je suis content que je gagne. Ah, ok. Ouais, c'est pas on a fait un Ganon Tito tantôt. Oui, j'avais vu ça. Mais ça a fini avec un Dark Pea. Mais c'est trop volatile. Je voulais pas risquer un autre game de ça. Mais en même temps, c'est tellement beau à voir. Dreamland, situation pas mal, vraiment even. Je suis curieux, le plus intéressant, c'est ça va back and forth, on dirait. Il y en a un qui va follow up et l'autre. Après ça, ça se ramasse à l'autre. Comme présentement, ça va être à l'avantage d'Emily. Puis n'importe quand, ça peut se créer beaucoup pour Kaioken. Up smash. Correct DI, je suppose. Ah, ok. Ah. C'est bon. Un beau duel de grandes jambes du mal. Le pire, c'est que les... Écoute-tu, Emily. Le pire, c'est que les tech skills, c'est à peu près 25% de ce qui est important. Fait que si t'as l'autre 75, tu bats tout le monde qui ont juste ce 25%-là. Ah, exact. T'as des mind games. T'as des mind games, exact. C'est tout qu'un upset, ça. Ah, les gars. Twin, es-tu encore là? Je le vois pas à cause de Remix. Donc, Game 2 Pokémon Stadium. C'est qui a eu la première? C'est Fox, hein? Non? Ouais, c'est exact, c'est Emily. C'est Emily? Ouais, j'ai complètement raté. Ben, je crois que tu l'as juste oublié. Elle avait grabé le ledge, puis. Non, je sais juste pas. Ok, c'est pas grave. Encore
encore la même situation. Enlève une stock comme ça. C'est vraiment un packet fort. C'est intéressant à voir. Dans le tilt. Oh, le jump reset. Le force smash qui est un peu trop lent. Je sais pas si c'est le meilleur follow-up qu'il peut avoir avec un. Avec un jab reset. Faudrait mettre les commentateurs là-dessus. Est-ce qu'on amène ça ici ou on amène ça là-bas? Oh là, up smash! Challenge! Wow, bravo de la part de Kaioken qui sait punir les side B de Fox avant même qu'il se rende à sa place. C'est vraiment intéressant. Très rushing de la part. Ça y va vraiment back and forth. Quand il en a un qui a le follow-up, on dirait que c'est sûr à se rappeler. Tu en as-tu commenté si moi pourquoi on va jouer? Là, ah ouais, on fait ça après. Ok. 2-1, t'as plus de game. Tu joues qui? Tu joues encore Young Link? Ok. Shit, quand Remix prend un chic, c'est pas bon signe. C'est pas bon si le cœur non plus. Oh, Remix, petit fleur sur le setup à côté. Il se donne des bisous, je pense. La bataille des Jutras. La bataille des Jutras. Il y en a déjà un des trois qui était DQ. Ouais, c'est sûr. Je dirais que ça dépend beaucoup du niveau de jeu. Ouais, c'est l'essentiel. C'est sûr que certain que si j'avais pas de fun à jouer, j'aurais été de jouer. Ça m'arrive des fois à Smash 4 de pas avoir de fun. Puis là, c'est genre. Toi, tu veux-tu aller avec toi, Chuto? Ben, j'avais déjà fait mon set, con. Il m'en reste pas si peu. Ok, je vais aller, on fait ça. Ah, c'est pas grave. Donc, je vais vraiment rester tout seul pour le commentary. Oh, dans la cage. 20XX! Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais du Jack Key 20XX, là. C'était un beau petit moment dans la cage. Pour un Reed qui s'est essayé avec le Power Smash, mais il a pas réussi. Lévi, essaye d'y aller pour le kill. Oui, le fair qui finit la situation. Alors, ah ouais, des situations vraiment serrées, comme qu'ils disent. C'est intéressant à voir. C'est où est-ce qu'on peut rentrer le score? Tu t'en vas ici, là. Smash Garage. Hey, Garage, non, back. Mais pas ça, ici. Ouais, ok. On va attendre. Parce que ça va changer. Ça, c'est pour les mettre ou les enlever. Ça. Non, on va faire comme si c'était. Ouais, ouais. Vu qu'on connaît pas comment changer le score en stream, ben, présentement, n'oubliez pas, c'est 1-1. Oh, monsieur Légume qui s'en vient pour s'ouvrir la situation. Mais. Je sais pas si t'as regardé un peu le match-up. Oh! Ça s'appelle un Wurt! Ah, c'était drôle! J'allais dire, la situation entre les deux joueurs, ben joueurs et joueuses, c'est vraiment, vraiment back and forth. Il y en a un qui réussit à faire des follow-up, réussit à faire un bon, disons 40%, après ça, ça se retourne à l'autre, c'est vraiment intéressant à voir. Il y a beaucoup de skill pour l'instant, là. J'ai beaucoup à Millie, mais vu que tu vois dans Smash 4, vous connaissez pas le game. C'est pas juste c'est quoi ce que tu vois. Ça fait parce que tu vois depuis très longtemps maintenant. Le game, c'est pour vrai, c'est le plus important. C'est le plus niche game, c'est sûr. Quand
quelque chose d'assez fun. Puis ça, c'est quelque chose. Wow, le side B cancel. Ben, je sais pas si c'était voulu, mais c'était joli pareil. L'important, c'est juste. Le fait de mettre du backer. Oh, wow. Mais. Peut-être la Zang l'avait déjà mentionné. Ouais. On dirait que il gagne plus de transférer de Smash 4 à Melee que lui, vice-versa, parce que. Ouais, mais. Mais je veux dire. Oui, parce qu'ils ont beaucoup appris des jeux et des bases du jeu, mais on dirait que c'est plus facile apprendre les bases du jeu à Smash 4 comme le Neutral Game, justement, qui est quasiment constamment là. Essayer d'avoir les. À bon niveau, le bon ouais. Smash 4, c'est Smash, Smash, Smash. Ouais, non. Non, c'est vrai. Je dirais que ça dépend, c'est le niveau que tu as dans Smash en général. Non, je dis, c'est à bon niveau. Tu regardes, ben souvent là, tu vois Smash, 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 tu vois Neutral Game. Dans la Melee, ça doit être la même affaire. Il n'y a pas de Neutral Game, mais tu commences. Ben c'est ça, là. Ouais, c'est vrai. Neutral Game, c'est une étoile qui se développe en jouant beaucoup à Smash. C'est quand même fait. Bah, probablement pas les events, mais les basés. Ouais, un boost. Mais. Quelqu'un qui a beaucoup de tech skill mais qui a aucun neutral game, contre quelqu'un qui a beaucoup de neutral game pis pas beaucoup de tech skill, qui va gagner? Ça va être event, c'est vrai, mais.